Bonjour à tous, ici Marc Lindelof, leader de communauté Zodio Bayon. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser une poche à douille. Alors, pour l'utilisation de vos poches à douille, il vous faut des poches à douille, des douilles unies, cannelées ou des douilles type à fleurs. Il vous faut également un support à poche. Alors, pour utiliser mes poches à douille, je prends les poches, je les déroule et ici, je vois que j'ai des pointillés. Donc, au niveau des pointillés, je vais tirer hop, délicatement et je tire et ça se déchire tout seul. D'accord ? Donc, voilà, j'ai ma poche qui est en forme de triangle. Je l'ouvre et dedans, je vais mettre ma douille. Je mets ma douille dedans. Voilà. Là, elle est là. Maintenant, à l'aide d'un ciseau, je vais couper. Et là, je vais couper encore un petit peu. Voilà. Il faut que ma poche arrive au milieu de la douille. Donc là, la poche, je vois, elle est vraiment au milieu de la douille. Donc là, je suis bien. Hein, je tire bien. Je retourne comme ça. Avec mon index, je prends de la poche et je mets dans ma douille. J'obture le trou. Okay, comme ça, ma préparation ne peut pas couler. C'est bouché. Là, je prends mon porte-poche. Je mets dedans. Je mets ma poche dedans et je retourne. Voilà. Je pousse bien avec la main. Et voilà, et c'est prêt. Voilà, donc j'ai ma poche à douille qui est prête dans mon support à poche à douille. Ici, j'ai fait une petite crème chantilly toute simple. Donc là, je prends ma préparation et je remplis. Donc là, c'est facile. Je peux prendre les deux mains. Je mets dedans. Et voilà, là je peux bien racler sur les bords. Hop, avec la marise, on corne bien. Voilà, là je peux bien racler, ça c'est important. Donc maintenant ce qui va se passer, je vais sortir la poche. Voilà, j'enlève le support à poche. Et je tire. Donc là j'ai ma préparation qui est dedans. Hein. Donc là, avec pouce index, je vais serrer. Hein, je vais faire la pince. Pouce index, je serre. Ici, voilà. Comme ça, j'ai la poche qui est vraiment bien dans la paume de ma main. Hein, pouce index, je serre. Je la mets bien dedans. Je pousse un petit peu. Je tourne avec l'autre main. Et je mets ma poche sous pression. Là, à partir de ce moment, je tire, voilà. Si vous avez des préparations liquides comme par exemple une pâte à macaron, on met la douille vers le haut. Hein. Donc là, je tire. Ma poche, elle est sous pression. Ici, je serre bien. Je le mets bien. Il faut vraiment qu'elle soit bien dans la paume de ma main. Hein. Et c'est avec ma main forte que j'appuie. Moi, je suis droitier, donc je vais appuyer avec ma main droite. L'autre main, elle est juste là pour guider comme un crayon. Alors là, par exemple, j'ai une petite tartelette. Là, donc j'appuie avec ma main forte et je guide avec l'autre main. Voilà, j'appuie tout simplement. Hop, et je tire. J'appuie et je tire. J'appuie et je tire. Tout simplement. OK ? Voilà, et en fonction des douilles, vous pouvez faire des formes différentes pour vous amuser. Hop, tac, et voilà. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. À très vite pour de nouveaux tutos. Allez, ciao, ciao!